J'anime une équipe d'environ 8 personnes et nous travaillons spécifiquement sur les pathologies causées par le méningocoque. Cette bactérie est responsable d'infections extrêmement sévères, donc de méningite, c'est-à-dire d'infection du cerveau. C'est une bactérie en fait qui vit à l'intérieur de la gorge et qui, de temps en temps, va accéder à la circulation sanguine. Et c'est là que commence la pathologie à proprement parler. Donc là, cette bactérie, ce que nous avons montré, c'est qu'elle se lie à la paroi des vaisseaux sanguins et à partir de là, elle va franchir le cerveau, la barrière hématoencéphalique et accéder au cerveau en lui-même et causer la méningite. Les outils que nous utilisons sont des outils qu'on va dire in vitro, c'est-à-dire c'est des cultures de cellules. On va incuber ça avec des bactéries, on va regarder ce qui se passe, on va étudier ça au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, dans le temps et en temps réel. On travaille aussi absolument sur des modèles animaux qui vont nous permettre de mettre ces cellules dans un contexte physiologique complet, dans le contexte de l'animal, qui va nous permettre d'étudier ça dans un contexte beaucoup plus réaliste, beaucoup plus proche de la pathologie. Pour nous, c'est un enjeu absolument essentiel, c'est de trouver des moyens de reproduire dans un contexte expérimental, dans le laboratoire, l'infection telle qu'elle se passe chez l'homme. La capacité de la bactérie à interagir, à se coller le long de l'endothélium, c'est-à-dire les cellules qui forment la paroi des vaisseaux, on pense que c'est un élément absolument clé. Et si on peut développer, par exemple, des thérapeutiques qui vont bloquer ce processus-là, qui vont empêcher ce processus d'arriver, eh bien, typiquement, on aura une façon de mieux traiter ces pathologies. Nous, ce qu'on sait faire, c'est essayer d'analyser ce qui se passe. Et une fois qu'on a compris certaines étapes clés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tourner plutôt vers des laboratoires industriels qui, eux, ont le savoir-faire d'aller au-delà, c'est-à-dire de développer plutôt des médicaments.